pas que le ciel était bleu pour ça. De base. Mais non, c'est non. Je vais rien dire, 95. Mais si, c'est ça. Attends, 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 savoir, attends, hein. Me dis dans mon oreillette que c'est le contraire. Hein. Bah, logiquement, si ce serait le contraire, la route aussi serait bleue. C'est pas con, c'est le contraire, les autoroutes aussi elles sont bleues. Bah ben ouais. Une discussion de gueule, mon frère. Les gars, une discussion de gueule, mon frère. Ah mais le téléphone n'arrête pas de sonner, c'est chiant. Mais, mais les individus ont commencé à libérer les otages. Laissons leur téléphone et leur radio. Ça peut pas être le contraire. C'est vrai, t'as raison en fait. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que le Adam 45, Adam 04, on part en course poursuite. Adam 22, on reste en stand-by vite avec 83 pour récupérer les otages. Le ciel, il est bleu parce que la mer est bleue. En gros, on va en course poursuite, c'est tout. Il y a que ça à comprendre. Je vais pas le balance, ouais, c'est mort, il est trop bête, j'aime trop. Ouais, regarde. Oui, oui, oui. C'est bon ou pas? Regarde. Ça doit durer steak 04. Ouais. Ouais. Le ventre, j'aurais dû rester steak 04. Pourquoi t'as dit j'aurais dû rester steak 04? Non, t'inquiète, vas-y, je t'écoute. Regarde. Le ciel, il est bleu. On est d'accord. Ouais. Le ciel il est bleu parce que la mer est bleue. On est d'accord. Ouais. Mais quand on est en ville, pourquoi le ciel il est encore bleu? Je sais pas. Putain mais je comprends pas comment ça marche. La couleur du ciel est liée à la diffusion de la lumière du soleil dans l'atmosphère. La lumière blanche du soleil est composé d'une infinité de lumières colorées que l'on peut observer dans un arc-en-ciel par exemple. Cette lumière est diffusée lors de l'atmosphère. Les longueurs d'onde de plusieurs sont celles diffusées. C'est pourquoi le ciel nous apparaît bleu dans la journée. N'importe quoi toi. Ouais, tu m'as perdu. Hein. Ouais bah apparemment ouais. C'est ce qui se dit. Ok. Attends, t'entends ce que j'ai dit? Hein? T'as entendu ce que j'ai dit? Je t'ai perdu. Tu m'as perdu là. L'eau c'est pas bleu. Ah apparemment, attends. Ah apparemment l'eau elle est pas bleue de base. L'eau elle est pas bleue de base. Ouais. Ok. Mais et... attends, pourquoi le ciel il est bleu? Oh ça va. Non, l'eau à la base. Non, regarde, l'eau à la base, bah c'est transparent quoi qu'il arrive, l'eau. Mais ça dépend. Comment ça, ça dépend? Bah ça dépend. On est d'accord, ça dépend. Genre au Bahamas c'est bleu turquoise, au Bled c'est marron. Voilà. Non mais on est d'accord. Non mais pourquoi le ciel il est bleu? Je sais pas mais du coup si... Allô. Allô, bonjour, je m'appelle Apu, j'ai l'envie de psychiatre. Ouais, bah, Apu, il y a une flica, on n'a pas le temps, donc braque-le, fais ce que tu veux avec lui. Ciao. D'accord, bonne. Ouais, donc. Pourquoi le ciel t'as un 45 également? Pourquoi on reste ici? Go. Ouais. On prend laquelle en poursuite? Celle qui part de l'autre côté. Ah bah, moi voilà. Bah, les deux. Partons en course poursuite, c'est parti. Mais non, mais bah ouais, mais on est trop bêtes. J'avais pas vu cet endroit. Mais ils ont pris des voitures noires dans le noir, les bâtards.
Ils ont pris des pantos. Et ça passe partout. Ah mais des pantos c'est cheaté frère. Bah ouais. Il nous faudrait des pantos de... comme voiture d'intervention. Mais non mais là ils vont passer au milieu et tout là, c'est sûr et certain, on est mort. Non mais ouais. Là ils vont prendre des chemins à la con. On peut en choper peut-être. Et tu sais qu'ils nous avaient niqué en passant par là là. Heureusement qu'il y a les collègues. De quoi? Bah ah non. En passant par... oui ouais. Oh les auraient rattrapé quoi. Mais il est gentil 45, j'ai plus envie de le balance. Je voulais monter au fusée 4 direct. Mais il est gentil Miskin. De quoi? Ah ouais. Oh, putain, ça c'est sent. Une voiture. Ouais, mais ils vont faire un truc. Adam 22 pour tous, demande de 10-20. Allez, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas! Bouge pas, oh, bouge pas! Arrête-toi, sors ta bouge voiture! Pas, sors ta voiture, je te sors de ta voiture, on tire! Sors de ta putain Adam de voiture! Pour tous, m'entendez radio. Vas-y, vas-y, menotte-le, Adam, menotte-le, ouais. Je vais les aider pour l'autre! Individu. 10-4, faites un 10-20. Un individu interpellé. Faites un 10-20, si. Deux individus prennent la fuite après, j'ai fait un 10-20. Que j'avais un taser, j'ai dit arrête toi, je tire. Ok, ok, ok. Je sais ce qu'il va faire. Ils prennent la fuite sur l'autoroute avec un véhicule. C'était sûr, j'en étais sûr. Nous on arrêtait le nôtre. Attends, 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 fais monter vite fait. Vas-y, vas-y, monte, 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 vite, monte, vite, vite, toi, vite, monte. Vite, vite. Allez, vas-y, fonce. Vous les avez encore en visu ou pas? Ils me tirent dessus, ils me tirent dessus, ils me tirent dessus. Ripostez, ripostez, ripostez. Ils sont dans les trucs là. Ils sont où? Ils dans le chantier là, bizarre. Le SUV que vous avez croisé sur l'autoroute. Sur l'autoroute. 10-4 pour celui-là, SUV. 10-4, deux individus armés. Hein. On sait c'est quoi comme 4x4? Est-ce qu'on a une unité disponible pour un 10-70? Ça va, monsieur derrière? Oh putain. Ça va ou pas? Madame 04, on arrive. Hein? Bon, arrête de faire ta femelle. Oh, toujours sur le c'est tour. Bon, si tu chiales pas, on te laisse. Monsieur. C'est un 10-20. Ça tire sur. Ça tire sur nos collègues, on est obligé. Ça rafale, on aime des approximatifs ça. Puisqu'on est au-dessus. On aime le sang. Vous aimez le sang, monsieur? On se dirige direction je suis pacifiste. Pacifiste, madame, je ne suis pas. 10-22, on se redirige vers là où vous étiez. Personne. Comment? J'ai tué personne. C'est qui la voix? Ouais, j'arrive pas à voir c'est qui. Ça aurait pas été toi qu'on aurait chopé. Ouais. Tu aurais passé devant le voisin news. Non. Il est là. Oh, il s'est retourné. Aïe. Il s'est retourné. Ah ouais? Il a fait comme nous. Il s'est retourné, il a reparti banal. Combien d'individus interpellés pour l'instant? Un. Je vois pas de quoi tu parles. Tu l'as pas vu? 95 et 45, ouais, on recevait radio. Oui, on a arrêté un suspect, mais on vous signale. Parce que ça fait genre le mec, je suis à fond dedans et je suis un obèse. Ah, vraiment c'est pas dans mon background. Ah, ok. Monsieur, ça va derrière? Ça va. C'est la cagoule, je m'étouffe. Bah, on l'a vu qu'à la cagoule, faut lui enlever la cagoule. Bon, on doit s'arrêter pour enlever la cagoule. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Attends, attends, je vais essayer de lui enlever. Si, attends. Si. Essaye juste de. Ok, attends. Un peu, tu vois. Je t'ai pas demandé ton avis par contre, attends. Ah mais il est gentil le pauvre, il est gentil. Ah, il parle mal. Doucement, doucement. Non les mais boss... non, aïe, mais aïe. Il a pas fait exprès, t'es gentil toi. Ok, c'est bon. Y'a R, y'a R, y'a R. Je connais, même quand ça fait le nageur, y'a R. Serre-moi, y'a R. 95. De quoi? Sérieux? Bah quoi? Tranquille. Défend les criminels. Ils vont partir en moto. Oh non, pas en moto, mais pas en moto! Non, non, non. Bande bah oui. De salopes! Je sais pas ce qu'ils faisaient ici, mais. Putain, mais pas en moto! C'est trop. De la saloperie ça! Mais vas-y, prends ouais. Un hélico, c'est pareil! Ouais, bah ouais. Chien de la casse! Adam 22, 18 pour se transformer en Henri 22. Ah. Gardez-les un maximum, madame 45. Il fait quoi? Mais il fait quoi lui? Ah on a rien fait, il va nous tirer dessus wesh! Mais là, attention! Il pourrait s'arrêter?
Il est tout seul. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Mais go sur lui, wesh. Mais il a sorti sa tenue. J'ai rien compris. Il a sorti d'où la tenue. Vas-y, vas-y. Il a sorti d'où la tenue. Et moi je voulais pas taser, genre fair play. Mais moi je voulais pas taser. Après je l'ai raté, j'avoue. Allez, reviens tout seul. Par contre il a sorti dans sa tenue, il l'avait pas sur la bécane. Non non, clairement pas. Putain. Puis la pêche a été pas bonne. Putain, il a vraiment changé de tenue. Mais oui, il a changé de tenue, bah devant ouais. Moi Adam 45 pour Adam 22, toujours en 10-70. Un négatif. Ah bon bah ils sont partis dans l'eau. Le nôtre il a sorti une tenue de plongée avec oxygène et tout, il est parti. Et le tuba. C'est lui qui est avec nous dans le véhicule, mais vous l'étiez pas noté. Et le tuba et tout. Non, on l'a encore dans le véhicule lui, mais. Son pote. Moi je passe en pour ta nuit. Il a un sac, t'as déjà mis une tenue de plongée. T'as déjà mis une tenue de plongée IRL. T'as déjà mis une tenue de plongée IRL ou pas? T'as déjà mis une tenue de ski? On est sur un braquage. On pourrait couper la radio parce qu'il parle sous l'eau l'autre en fait. Vas-y, vas-y. Il parle sous l'eau? Quoi? Ma mère. Ah vas-y, c'est bon moi. Waterproof la radio, je crois. Non mais jure, mais ça, c'est vrai là? Non, vraiment, vraiment. Bon ça, monsieur les agents. Là. Bonjour. C'est à vous ce véhicule parce qu'il a l'air bien accidenté. Ouais, bah oui. Et vous êtes qui au juste? Ouais. Ouais, bah écoutez, je passais dans le coin, je me suis dit, je vais appeler une dépanneuse. C'est dans le coin, juste à côté des bécanes. Ouais, bah. Écoutez, je discutais avec un mec. Ouais, tu passais dans le coin à 23h, juste à côté des bécanes qui attendaient les mecs. Ouais, bah ouais. Du paysage, ouais, bah ouais. T'as de la chance, j'ai pas envie de la jouer Mario Kart là. Je peux vous parler. Ouais, ouais, prends pour un con. Et lui il sort d'où lui aussi? Ah, okay. Oh toi ouais, là lui, par contre lui. Tu sors d'où toi? Comment ça je sors d'où? Toi aussi t'étais dans le coin? Quel coin? Là là là, t'étais dans le coin là, c'est ça? Moi j'étais là-bas avec ma petite chaise. Mmh. Ouais bah ouais. Ouais bah ouais. Forcément. Oh. C'est à qui ça? C'est à eux hein, prends la plaque. Prends la plaque. Bah, ouais attends. Allez pas attends. Fini notre discussion. Mais ouais. Vas-y, je vais là. Vas-y, dis-moi ce qu'a la plaque. Vas-y. 21. Ah ouais, ils sont venus nous. Attends. Ouais, 21. Vous dérange je peux RT continuer la discussion. J677. 21 RT, c'est ça? RP. RP. Comme roleplay. J677. Ouais. Ouais, Abdul Murphy, lui, il est convoqué. Là. Allez. On prend la voiture, prends la voiture, y'a peut-être des empreintes, une connerie. Putain. Remets-toi de ta grand-mère. Mais oublie pas de mettre des gants avant de monter. T'inquiète. Eh mais je l'envoie directement. Waouh, tu l'envoies directement. Ouais, du coup, mon CV. Il est déclaré volé, sérieux? J'ai pas vu. J'aimerais bien intégrer le Bizalmus, c'est l'histoire ancienne. Je suis pas n'importe qui. Ah, comme par hasard. Ouais, mais... ça parle en pleine nuit, ça fait c'est un avocat, hein, par contre. Avocat, t'en dois rejoindre. Bon, pas les couilles, avocat, pas avocat. Adam 45, ouais. Dit ça. L'autre non, mais parle non, mais sous l'eau avec un tuba. Ouais. 19, 22. Ah, j'ai pas vu que c'était marqué. Dans la bouche. On est en 19-1 là. Skato, vous êtes à l'arrière du PDP. Skato. Ah, apparemment, il y a des nouvelles radios qui sont sorties waterproof. Ouais, j'ai déjà eu vent de sa radio. Ouais, là, là, le mec il était avec son tuba et sa tenue, il parlait dans l'eau. Ouais. Il avait intégré dans sa tenue de plongée, je crois. Attends, y'a plus personne derrière? Ah, si. Si, si, là, il a. Ouais, j'ai eu peur.
Ah lui, je te limite, j'ai envie de le tuer, petit amant, bah, le dégage. Je te jure, il a eu la poisse le pauvre, il devait aller tout droit, il s'est pris la poubelle. Il s'est pris un... je crois que c'était un truc camionnette en plus. Attends, ouais. Là, il s'est garé en plein milieu. Allez lui mettre une arme. Faut annuler le vote. Mais là, ah, mais là, les gars. Les gars, là, c'est du win RP de ouf, wesh. La tenue, jamais la sort de son cul comme ça. Faut arrêter. C'est bon, je suis même plus dans la conduite. C'est bon, je suis même plus dedans, là, c'est bon. Deux fois quand même. Mec, il sort une tenue plongée de son cul et il parle en radio dans l'eau. Ah, on est en 2017 ou quoi? Aïe. Ah, désolé. Hein. Oh, bon, okay. Vas-y, c'est pas grave. Tu vois, ça a été comme ça toute la soirée. Hein. Non, mais là, non, moi, c'est la première fois que je vois ça, hein, vraiment. Ah ouais? Non, ouais, non, ouais, mais ouais. Moi, une soirée de merde comme ça, hein, avec des gens comme ça, des trous de cul comme ça. Mais c'est abusé, c'est bon, apprends toute à perdre soirée, des fois. C'est le but, c'est comme ça. Ou sinon, tu fais un meilleur plan, ou tu fais un plan où. Arrête, tu bats, n'importe quoi. Il a sorti de son cul en plus. Ouais, bah. Ouais, monsieur. Oh. Tu sais, sinon il aurait dû faire quoi là? Normalement, si c'était leur plan, écoute-moi bien. Si c'était leur plan, il sort avec la tenue plongée de la banque. 1304. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. Si c'était le plan. Ouais, à la rigueur, dans un sac, il est sa tenue. Non, mais même ça. Non, même ça, une tenue plongée, tu la mets pas comme ça. Ça marche pas comme ça. tu laisses aucune chance, tu vois ce que je veux dire? Tu nous laisses, nous, aucune chance de t'attraper dans ce cas-là. Et peut-être que son pote veut. Peut-être que tu veux bien dire le nom de ton collègue, non? C'est le problème, c'est que je le connais pas. Ah. Il est éclaté. Okay. Bon, allez-y. Tu veux nous dire le nom de ton pote? Non. C'est juste comme ça, c'est juste lui. Comme ça, vraiment. C'est, Allez, monsieur, je vous enlève les menottes. Non, mais moi je pense qu'on nullifie le. J'ai pas, je vous enlève les menottes. Il y en a, on l'a attrapé, et il y en a d'autres, ils ont oui. La tête de mon chat, ça va mal aller. Oh, pète un coup, tranquille. Ça fait deux minutes, on s'est fait. Non, tranquille, lui il est tranquille. Lui il est tranquille, vraiment, lui il est tranquille. Lève ta cagoule. Lève votre cagoule, monsieur. Lui il est tranquille. Ouais? Ouais, lui il est tranquille, c'est les autres là, des trous de balles. Il était armé, le monsieur là? Je sais pas, on n'a pas eu le temps de voir, il s'est pris la... Ouais, vas-y, lisez le dossier droit et après vous... Allez, pouvez... contre le mur, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez une carte d'identité sur vous? Vous avez pas de carte d'identité sur vous? Oh bah, on va prendre les empreintes, y'a pas de soucis. Bah oui. Ouais. Venez, moi. Ouais. Si vous avez pas de carte d'identité, venez. Oh, allez. Il est trop... Ah, t'aurais vu la scène, t'aurais rigolé. 95, ouais. C'est vous qui me disiez 95? Ouais. Pourquoi? Parce que vous répondiez pas radio. Ouais, mais je conduisais, moi. Ouais, mais 45 aussi, il répondait pas, et ouais, c'est vraiment énervant. Nous, en fait, on a pas eu d'infos, en fait. Oui, on était obligé de vous demander si vous étiez toujours en 1070 pour savoir si vous étiez. Je sais, mais moi, je conduisais, et ce qui s'est passé, ça m'a un peu énervé, tu vois ce que je veux dire? Non, mais je comprends, mais moi aussi, hein. Mais la prochaine fois, c'est ça que je suis en train de... Le mec, il a fait comme ça. Mon pour mon tac. Il a fait ça. Il s'est arrêté. Il s'est changé. Il a refait ça. Et il est reparti dans l'eau avec sa tenue et truc. Et maintenant, il est en train de parler radio dans l'eau. Non, mais c'est pas grave. Ça arrive, mais. Si je dis au capitaine, la prochaine fois, on va prévoir des. Comment. Mais non, mais non. Moi, je suis d'accord. Tu peux avoir une tenue plongée, tu vois. C'est normal. Mais ta tenue de plongée, tu la sors en sortie de banque. Tu la sors pas, tu la fais pas pop comme ça, tu vois. C'est de la merde. Et je pense pendant les braquages aussi, il faut des bécanes. Parce que vu que c'est la mentalité ouais, des mecs, justement, go, hein. Non, mais justement, je comprends des bécanes. À chaque flicat, bécane, hein, une bécane qui tourne au moins. J'ai envoyé un message à capitaine pour demander si on mettait ou pas en place des bravos et des maris pour les prochaines flicats. Ah oui, mais c'est ça qu'il faut. Ah oui, mais clairement, là c'est mort. Moi, c'est la première fois que je vois une flica. Et vraiment, vous pouvez pas les attraper, c'est mort. En fait, d'habitude, la dernière fois, on a fait une course-poursuite de 45 minutes en voiture. Hein. On les a attrapés à la fin. Mais tu vois, ça dépend en fait. Là, ils sont partis en moto, mais on n'avait pas d'autres unités. C'est pour ça que nous, derrière, on est parti de la course-poursuite. Hélico, et on voulait déployer un hélicoptère. Ouais, même hélico, bah les couilles. C'est comme ça que ça va être en fait. Oui, non, mais oui, la prochaine fois, ça va être Henri, bravo, Marie et voiture normale. Ouais, c'est ça. Mais après, on n'est pas beaucoup d'unités, c'est ça le problème.
Bah là ce soir oui malheureusement, mais d'habitude il y a plus de monde. D'habitude des fois on arrive à être trop unité justement sur une pika. Ouais c'est ça, non mais c'était... Non, c'est... Ah, si tu veux, c'est comme ça. Moi je pensais qu'avec leur petite voiture... Moi je prends une fin de service, je crois, ça m'a gavé. Hein. Mais non, tranquille, 45, c'est... Oh non mais vraiment la soirée c'est de la merde là. C'est... Ouais, c'est mais... Ça, ouais mais justement c'est ça le problème, c'est que... Là nous ils nous laissent aucune chance, tu vois ce que je veux dire, c'est pas le but d'une flika. Oui, bah justement. Tu comprends? Et toute la soirée, ouais, c'était comme ça. Hein. Le but d'une flica, justement, c'est de jouer le jeu et d'essayer de brain un maximum. Tu vois le truc? C'est ça. C'est pas ouais, partir la flica, prévoir hélico, prévoir sous-marin, prévoir ci, prévoir ça. Bah vas-y, go, on te laisse, tu te casses, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, non, c'est la c'est vie. Il y a des gens comme ça. C'est pas grave, hein? C'est pas grave, c'est pas parce qu'on a loupé une flica qu'on les a toutes loupées, on en a réussi plein, faut pas avoir de mauvais côté des choses. Non, non, ouais, je m'en fous, mais c'est que là, c'est toute la soirée, c'était que de la merde. C'est bon, là j'en peux plus. Là. C'est vrai que ce soir, il s'est pas passé grand chose intéressant. Et le peu de trucs qui s'est passé, tu tombes que sur des trous du cul, et bah écoute, c'est bon. C'est comme ça, là, malheureusement. C'est pas grave, c'est rien. Bon, je pense que faut en parler et puis c'est tout, faut pas s'énerver comme ça. Ça sert à rien. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça va vous sinon? Vous avez chopé quelqu'un? Moi j'ai. Non, nous on a pas chopé parce que en fait, quand vous êtes parti sur la plage, on s'est dit bah c'est bon, il y a toujours la dame 04, donc du coup on va faire ouais, un 18 pour partir en hélicoptère. Qu'est-ce qu'elle dérape l'autre voiture, mon pote? Et en fait, 04 a eu une envie de pisser sur, comment, sur la flicab, ah, du la coup bah, il a pas pu revenir. Et ensuite ouf. 15, lui, bah, gros mal de tête, il reviendra pas. Pendant donc, deux jours là et il reviendra pas. Donc, ah ouais? Il est vraiment mal en point là. Ah pendant deux jours? Ouais, non, il pouvait pas assumer la course poursuite. Même sur la course poursuite, il avait trop mal à la tête et tout. Donc, allô mais comment pendant oui, deux jours? Comment tu sais? C'est qui? Oui, il m'a dit dans mes messages, il me dit désolé, là je suis couché, 95. Je suis vraiment, j'ai trop mal à la tête. J'ai une question, vous avez une prise d'otage là? Oui, on a eu une prise d'otage, mais c'est fini. Pourquoi? Il y avait une flica. Ah. C'est une femme qui a été prise en otage. Ouais, c'est une femme qui a été prise en otage, hein, 22, c'est ça? Tout à fait, une femme, un homme, mais ils ont pas à savoir, 95 ans, c'est qui? Attends, c'est Aïdé, 72. C'est 72. Vous êtes au poste? Ah, 72, ouais. Tu peux... Bah, ah ouais, j'ai envoyé un message aussi. Pourquoi c'est qui, elle, Aïdé? Vous pouvez venir au PDP. Aïdé, 72. Je sais pas, moi je vous ai jamais vu, moi, 72. Mais c'est que t'es pas souvent là, alors. De quoi? La tête donne, je suis là souvent là, j'ai fait 10 heures en deux semaines, je suis là tout le temps. Ah bah moi j'ai fait plus que 10 heures. Il a dit donc il est une cliente, j'arrive au poste, ok. Son bracelet. Ouais, ça marche. J'arrive. Ok, allez, j'arrive. Attends, à l'accueil. Ok, bon bah let's go, hein, c'est pas grave. C'est comme ça. Ouais. Lui, putain, il est où l'autre qui est là? Il y en a un ici, non? Hein? Écoute, tu sais quoi, ils sont là. Et pourquoi tu veux leur c'est donner... C'est Adair, ça, on dirait, non? T'as raison. Il a la voix. Et vous avez prêté cet argent? Exactement, et j'ai pris du temps pour leur rendre. Du coup, ils m'ont dit, bah écoute, tu vas faire ça avec nous, et voilà, sinon on te menace, etc. Donc menace et tout et tout. Mais ce personnage, je les connais pas. Ok, donc ils vous prêtent. Vous prêtez combien? 10k, enfin, ouais. C'est ce qu'ils disent, ils sont mytho. C'est mytho. Ouais, mytho, ouais, mytho, c'est pas. Despacito, pasito, pasito, pasito. Il nous dira rien, lui, hein. De quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ton taser? Bah là il est en train de mytho le mec, je sais pas. Ouais, oui. Mais ton taser, tu fais quoi? Ok. Bah je sais pas. Voilà. Je sais pas, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est la vie. Ferme la cellule. Malheureusement... C'est quoi? C'est de pire en pire. Ferme la cellule, j'ai pas la clé. Du coup, lui il a rien à voir, il connaît personne. Il avait une arme au moins? Non, il avait rien sur lui. Il avait juste c'est une un radio. C'est un otage aussi. La radio. Et nous, on peut pas prendre la radio et faire un truc. Non, la fréquence, tu parles. On peut demander la fréquence, si on peut demander. Mais on n'a pas besoin de la radio. On lui demande la fréquence, pas. On prend pas sa radio. Ouais, mais...
Demandez-lui, mais bon, sur la radio dans le bac. Ouais, demandez-lui, mais la radio est dans le bac, de toute façon. Donc, Hein oui, non, il doit la savoir. De toute façon, il va vous en donner une bidon. Hein, sans non, mais regarde, bah, c'est, écrit demandez-lui, sur... ouais. C'est écrit sur sa radio, il m'en donne pas une bidon, c'est écrit dessus. Ouais, mais peut-être qu'il a changé entre temps, non? Non, on sait jamais. Monsieur? Faut rentrer dedans, hein, Quentin. Ouais. Ouais. C'est quoi la réponse de votre radio, monsieur? Alors là, attendez. On bosse pas, on va regarder. Ah, mais non, mais j'ai même pas sur moi. Ouais, bah elle est dans le bac. On va aller la chercher, on va regarder, ok? Ouais, tiens, et... elle est là, je l'ai ramenée, tiens. Tu... Ah, bah parfait. Il y a écrit quoi dessus? Parfait, alors là, ouais. Ça adhère, on dirait. Ouais, je mets mes lunettes. Ouais, ouais. C'est adhère, il les a rejoints comme ça, en fait. 32-02. 32? Ouais, 02. Ok. Pas d'armes sur lui. Ok. 32-02. Vous avez fouillé s'il y avait de l'argent? Ah, j'ai parlé de ce portefeuille, non? Ok. Où, monsieur? Ah là 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 là. Vous en pensez quoi, le chat? Vous en pensez quoi, vous? Oui, gilet jaune. Pas de winner P. Je pense pas de winner P. Non, c'est pas si grave. Non, non, moi en soi, je m'en fous. Mais l'idéal, c'est de faire une bonne scène, tu vois. C'est que nous, ils nous laissent aucune chance en fait. C'est dommage. Ils nous laissent aucune chance et ils t'inventent des trucs éclatés au sol. Non, il a pas le droit de mentir sur la radio alors qu'on voit la fréquence, non. Il a pas le droit. Allo? Et allo, bonjour. Ouais. Oui, et un mec qui a dit que je l'ai arnaqué. Ah, au niveau t'es Beniz, là. Vous pouvez débarquer là? Vous êtes où? Allo. Beniz. Ouais, j'arrive. Allo, oui, je suis au poste. Vas-y. Oh, il y a un truc. Ouais, Hailey, c'est j'arrive. Ça? Je te connais j'arrive. Pas, Hailey, moi. D'accord, j'arrive. Oui, Hailey, enchanté, 72. Oui, 72. Ah, c'est vous qui avez demandé s'il y avait des otages? Oui, oui, c'est ouais, ça. Apparemment, il y avait un homme, une femme. Pourquoi? Non, mais parce que la femme, je l'ai vue et... Bref, je voulais savoir si tout allait bien, en fait. Ah, mais ouais, ouais, bah ouais. Je connais, hein. Sorti une tenue à de son huc, c'est parti, ça parlait radio sur l'eau. Banal, quoi. Banal. Eh, bonne nuit, 45. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Oui. Et... Hey, Aïe, ouais. J'avais une question à te poser. Oui. Pourquoi le ciel, il est bleu? Pourquoi le ciel il est bleu? Parce qu'il reflète la mer. Avec tes questions de merde, 95. Tu vois, t'as dit la même chose que moi. Bah c'est la vérité. C'est ça. Bah oui. Il est bleu parce que la mer est bleue. Oui, parce que grâce au soleil, ça reflète. Merci, on est ensemble. Quoi? Bon, je vais vous laisser, putain. Je demandais pourquoi la mer était bleue. Pourquoi ça, le ciel c'est était bleu ça, hein, par contre. Mais oui, pourquoi le ciel était bleu? Pierre, il n'a pas un qui sait répondre. Ah, quand faut dire des 19, 10, 18, 10, 44, il y a du monde. Mais quand ça parle de vrais trucs, il n'y a plus personne, hein. Et du coup, pourquoi il est bleu le ciel? Bah moi, je pense que c'est parce que la mer, elle est bleue. Et que ça reflète la mer avec le soleil. Mais ma mer, elle est pas bleue. C'est une hypothèse. Non, la mer, l'océan. Ah. Du coup, voilà. Mon premier sub était passé inaperçu. D'accord. Mais vas-y, Malèche. La béchoupe. Oh, t'abuses les dodos. Ouais, bon. Tu me fais mal au cœur. Bah, moi. Moi, il y a quelqu'un, il m'a appelé au Beniz. Il m'a dit, il y avait une urgence urgente. Go, go, go. Ah, bah, 04, allez, 95. Conduisez 95. Non, non, pas la crône, pas la crône. C'est laquelle la crône? Pas la Victoria, c'est un véhicule de merde. Bah, c'est le seul que j'ai, moi.
Voilà. Allez, viens 04, let's go, my man. Tom 04, 19, Beniz. T'en dis quoi, y'a quoi? De quoi? Quoi dans le Beniz? Je sais pas, y'a un mec, il a appelé, il a dit ouais, y'a un délire bizarre et tout. Ouais, bah on y va. Hein? Bah on y va. Mais pourquoi le ciel est bleu alors? Ça répond pas à ma question de pourquoi le ciel est bleu. Ce que vous me dites, ça ne répond pas à la question. C'est marrant. Ils sont marrants les gens 04. Je pose une question, ouais. Ils me disent le contraire. Et après, ils me disent, bah c'est ça. Je dis oui, mais ça répond pas à ma question. Oh, c'est pourquoi le ciel est bleu? Mais c'est la police, ah, ici, c'est la police. C'est où? Se passe quoi? Il est tout clean, monsieur. Si je passe. Se passe quoi? Je sais pas, il se met devant nous, lui. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Expliqué. Il y a le monsieur ici qui a demandé de le soigner. Ok? Ouais. Une heure, on est soigné. Je fais la facture. Du coup, j'ai soigné une autre personne, il est revenu, il m'a dit de le re-soigner, je l'ai re-soigné, et je l'ai facturé, il m'a dit non. Mensonge, calomnie. Non, ma gueule. Mais monsieur, ça, attendez, non, attendez, monsieur, c'est un médecin quand même, vous abusez. Non, mais je crois que t'as pas tous les détails. Vous voulez vraiment arnaquer un médecin? C'est un peu l'inverse. Non, mais on sait que c'est vous qui êtes coupable déjà de base. Mais vous êtes sérieux? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas. La Rémière, comme ça. Les gens, là. Il est médecin, reconnu par des diplômes, il est incroyable, il est BG, blond, yeux gueule. Bleus. Et je suis vous, reconnu par la street. Et vous faites des braquages à longueur de journée, donc oui, vous êtes coupable, monsieur, je suis désolé. Ah ouais, on fait des braquages à longueur de journée. Ça veut dire quoi, ça, ma gueule? Bon, ouais, les gars, vous vendez de la drogue, vous faites des braquages, ouais. On le sait tous. Si, va voir mon casier, on en reparle, ma gueule. Et alors? Ah, un balas sur le casier! Ah oui! $2000 à cause de ma bagnole. Un balas, c'est il quoi a pas ça? Encore été dépouillé, ah bon, tu connais. Balas-moi! Non, c'est moi. Mais t'as bien. Ouais. Ah, ok. Ah, c'est bizarre. Vraiment bizarre. Oh, t'es pas balas? Si, je suis balas. Mais j'ai l'impression que tu l'as détruit vachement vite. Ouais, ouais, et alors, ouais. Là-bas, y'a un balas. Si, tu sais pas de quel talent, on la coupe. Là-bas, y'a un balas. Là-bas, y'a un Familiz. Et bah là, y'a un mec bizarre avec une voiture rose. Je viens de voir un pardon, police, ouais, police, police, bah, je suis choqué, policier. Monsieur policier, je vais porter plainte. Il a été insulté. Il a 95. Mon honneur, okay. Il a touché à mon honneur. Ah, ton honneur. Chel Goumi, tu vas te gagner. Il a touché à mon honneur. Allez, bah les couilles, c'est bon, c'est combien? Donc là, vous êtes en train de me dire que ce petit enculé il m'a facturé deux fois alors qu'il m'a soigné. Regarde derrière toi. Regarde, là il y a un mec avec un chapeau violet, mais c'est pas un balas parce qu'il est blanc. C'est un balas dans le quartier. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vas-y. Non, c'est pas possible. Non, c'est évident. Regarde, il est bien violet. Impossible. Notre avocat, boy. C'est le procureur. Vous êtes qui, monsieur? Le procureur. Ah, c'est le procureur. Mais c'est pas exactement. Le procureur lui, t'es mal la dégaine d'un nœud papillon, mon frère, qui mène des nœuds papillons en 2021. Vous voulez que je vous le prouve? Qui mène des nœuds papillons en 2021, wesh? Vous voulez que je vous le prouve, mon petit monsieur? Vas-y. Je vais exprès. Ok, dans la merde. Oui, allô. Qu'est-ce qui ferme ta gueule? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Je veux savoir, est-ce que vous avez... le sergent Stanley bon, qui est disponible. Bon, c'est pour non, il est pas là, wow. Il est en train de dormir. De toute façon, j'ai appelé le capitaine, mais il me répond putain pas. Putain de sa mère. Ouais, elle est en train de dormir coup, avec sa meuf et il a dit qu'ils allaient faire l'amour toute la nuit. C'est pourquoi? C'est pour monsieur Ben. Attendez. Monsieur Ben. 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 Il fait quoi, monsieur Ben? Viens. Ah merde, j'ai raccroché. Véhicule, Ouais, sauf que mon véhicule était bien stationné, il n'était pas sur un trottoir. Ah, je me suis le procureur avec un de papillon, bien ou quoi bon. Je crois que. Dans la monsieur, vous devriez pas manquer de respect aux mauvaises personnes. Non, je. Aïe, c'est vraiment. Je veux dire, monsieur le procureur avec un nœud papillon qui met un nœud papillon, blabla, ça, moi je trouve ça un manque de respect. Non, c'est pas un manque de respect, c'est juste que les nœuds papillons c'est démodé. Oui, comme non, lunettes, non, vraiment, tu l'as manqué de respect. Comment? Parlez aussi de vos lunettes dans ces cas-là. Ouh, là du répondant, ça j'aime bien. Là vous êtes procureur pour moi.
Vu que vous êtes du répondant, maintenant je vous respecte en tant que procureur. Oh. Poussez-vous, poussez-vous. Dans le quartier, ça serait que derrière les comptes. Ah, monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Écartez-vous et calme, oui, on discute. Monsieur le procureur, ouais, j'ai une question, oui, à vous poser. Pourquoi, oui, le ciel il est bleu? C'est Soko. Oui. Vous êtes procureur, ça, hein, sur agent. Pour rien, oh, dire. Mais personne ne, oui, sait. Bah dites-moi. Mais non, je sais pas. Moi, pour, oui, moi, c'est parce que, oui, la mer est bleue. Du coup, là, avec la lumière, ça reflète sur le, sur les nuages. Je suis désolé, j'ai pas vu avec le portail. Sur le plafond, quoi. Sur le ciel. Ah non, c'est pas ça. Ah ouais? Oula, ça parle politique ici. Je sais pas pourquoi. Non, en fait, vous, monsieur, ne me prenez pas au sérieux sur le fait que je sois procureur. En même temps. Vous êtes pas procureur alors? Monsieur le procureur, monsieur le policier, je voudrais porter plainte au monsieur qui est derrière vous. Et il a touché mon honneur. Conflit public peut porter plainte au commissariat, hein, ça nous rejoint. Voilà, donc globalement, ferme ta gueule. Du coup, c'est quoi les démarches? Faut que t'ailles au commissariat. Allez au commissariat et demandez à une personne qui peut le faire, monsieur. Voilà, bon. Au revoir, monsieur, bon courage! C'est honteux de pas payer des ambulanciers quand même. C'est abusé. Ouais, 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 mais les payer deux fois, c'est pas honteux. Ouais. Pourquoi, ouais. Bah non, c'est pas honteux. En quoi c'est cette honteux? Cette personne a été facturée, ouais, deux fois. Hein. À la base, c'est surtout lui qui m'a arnaqué, pas l'inverse, ma gueule. Et alors? Mais toi, t'es putain de discrimination, t'as pas réussi non, à comprendre. Non, 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 réduit, non, 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 il vous a soigné. En fait, il vous a refait mal, il vous a re-soigné. Donc et double bah non, ma gueule. C'est quoi, il m'a soigné sans que je lui demande rien. 96. De quoi? Non, non, 95. De quoi? Il est venu me soigner, ce petit bâtard. Oh, c'est bon, oh le procureur, calme, tranquille, calme. Non, mais je vois, tu fais le Rambo, sur... calme, non, t'inquiète. La je vie... me renseigne juste sur les agents du LSPD. La vie est calme, t'inquiète. Il est tendu, lui, wesh. Et quoi, son mec? Moi, je suis très calme. Dernière fois qu'il a demandé le matricule d'un agent, il l'a fait licencier, putain. Sérieux? Il peut pas le licencier. Si, bah, un peu. Ah ouais? Ouais, ouais. Ça va, monsieur le procureur? Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Oh, on s'est jamais vu, monsieur. Yeux, ma gueule. Mais si, je vous ai déjà vu. Mon fils, il est fan de vous. Vraiment, c'est incroyable. Il a tous vos posters, il a suivi vos parcours de Harvard à maintenant. C'est incroyable. Ça tombe bien, je suis jamais allé à Harvard. Si, c'était... Non, non, ah non, non, c'était pas Harvard. C'était où déjà? Oh là là, j'ai un trou de mémoire. Oxford, Cambridge, Stanford. Non, il est Yale. À... où ça? Yale. Stanford. Yale, exactement. Monsieur est allé à Yale. C'était un parcours incroyable. À un moment, vous êtes venu, il y a une meuf, elle a dit « Ouais, c'est Bibi et tout, je te veux trop, t'es mignon !» Tu l'as dit « Écoute-moi bien, moi je vais être procureur, j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes. » Elle est partie en pleurant, et toi t'as gonflé les pecs. C'était incroyable. Mon fils a dépassé ton dos. Je ne gonfle jamais les pecs. Si, quand même, oh, non. Ça, on gonfle tous un peu le pec des fois. Non, non. Tu me regardes, c'est bon. Vous voyez bien qu'il a une poitrine de poulet, monsieur l'agent. Il va rien gonfler du tout. Mouboutou, ta gueule. Oula, c'est pas très gentil ça. Mais tu sais que je t'aime bien, Mouboutou. T'es mon chose préféré. Moi aussi, malgré que t'es un corps de lâche. Bon, allez, je vais bosser. Ouh. Vous dites rien, monsieur le procureur, face à cette violence. C'est mon formateur, j'ai rien à dire. Ah, il vous a formé? Oui. Mais non. Mais si. Combien de temps? Deux mois, deux bons mois. Ah ouais, quand même. Formation jour et nuit, 24 heures sur 24. Formation Mouboutou, voilà, on va pas parler des procès Mouboutou. Hein. Les gamins. Parce que les procès qui se finissent en non-lieu parce qu'il a rien fourni au juge. Non, ça c'est le juge qui avait merdé. Oui. Non, bon, c'est vrai. Ça ressemble à un règlement de compte, je crois que 0-4, on va partir. J'aime bien Mouboutou, hein, j'ai pris au bénis. 0-4. Tu peux tester le véhicule 04? Juste fait un tour de pâté de maison avec, j'ai jamais roulé avec une voiture de police. Ah, je suis mort. Ça va aussi, tu c'est bon. C'est ma kefta. Vas-y, c'est bon. Je peux 04? Il est occupé, là. Pardon? Je peux essayer le véhicule, juste faire un tour de pâté de maison et je reviens. Quoi, tu m'as envoyé quoi, Gizio? Ah non, ouais. je crois pas qu'on a le droit. Hein. Mais 04, ça fait pas longtemps que t'es le passé. Le ciel est bleu parce que l'atmosphère filtre certaines longueurs d'onde. T'étais pas cadet, y'a pas longtemps. 95, il est que cadet, on l'écoutera pas. Ah non, ça fait longtemps. Donc, j'étais cadet. Ok. Ça fait, je peux dire, 6 semaines que je suis officier. Ok. Voilà, bon, messieurs, je vous laisse. Ouais, à tout à l'heure. Et c'est un bon cadet, 95? J'ai jamais pas travaillé avec lui, hein. C'est la première fois. T'inquiète, ce véhicule, c'est lui qui bombarde le plus chez nous.
Moi aussi, c'est. Ouais, c'est un bon cadet. Et jusqu'à présent, ça va, il cadette bien. Moi, je cadette bien, moi, je cadette de ouf. Sauf avec des mecs qui ont des tenues plongées, j'ai du mal. C'est. Non, c'est rien. Ça va, moi, c'est là. Ouais, bon, on va y aller, ça, les gars. J'ai envie de question, ma carbonara. On va y aller. Je peux repasser tout à l'heure. J'ai fait l'effort d'écrire tout. Ouais, mais attends. On va me faire un prêt d'amis parce que je suis pas aussi. Quoi? Bon, vas-y, on y va. Ouais. Vas-y, je vais prendre une fin de service. Y'a plus rien là. C'est ouais, bon. Ouais, y a rien. Le braquage qui pue sa mère, la flic a éclaté au sol. Dame 04, 18. Ouais, c'est bon, y'a plus rien. Go Rust. Non, j'ai dit que j'allais pas sur Rust, frérot. Vous forcez avec Rust, wesh. QCM. Non, pas aujourd'hui, wesh. QCM, je vais le faire. Mais il bombarde celui-là, c'est quoi? C'est un cruiser. Il bombarde 04, celui-là, il est bien. Oh, t'es en embrouille, il y a 45. Pourquoi? Ah, tout à l'heure, il a dit que tu l'avais saoulé. Oui, non, parce que tu vois que il y avait parlé à deux, tu vois. Moi aussi, je parle en même temps, il me dit. C'est incroyable, ferme-la. Ah, il t'a dit ça? Tu ferme-la, tu vois. Moi, tu manques pas de respect comme ça. Attends, mais elle est incroyable cette voiture, par contre. Bah, c'est une cruiser. Hein. C'est quand que tu l'as, celle-là? Officier 1. Officier 1? Ouais. Celle-là suffit large, t'as besoin de rien d'autre en fait, elle se conduit trop bien, elle est rapide. Y'a mieux par contre. Ouais mais elle est bien déjà, mon officier 1, celle-là elle suffit large. Et comment j'arrive à vous mettre à l'amende avec une primo custom? Pardon? Je disais, elle est bien. Et elle est bien, la cruiser. Elle est bien.